C'est le nord, c'est le nord. C'est la Société française d'études et de traitement de la douleur. Nous sommes en partenariat avec ce congrès depuis 3 ans déjà. Alors il faut dire qu'en France, ce congrès c'est le temple de la douleur, c'est-à-dire c'est là où viennent une fois par an toutes les personnes, médecins, soignants, qui ont été formés au soulagement de la douleur et qui travaillent dans ce sens dans leur unité de soins. Alors depuis 3 ans, on essaye de les informer sur la pertinence d'utiliser le toucher-massage dans les soins, particulièrement évidemment chez les personnes douloureuses aiguës ou chroniques, depuis l'enfant jusqu'à la personne âgée, la personne en fin de vie. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étonnant parce que c'est un congrès où il y a beaucoup de stands qui sont principalement des laboratoires. Voilà, il y a énormément de produits pour traiter la douleur, de plus en plus, puisque c'est vraiment une directive du ministère de la Santé de soulager la douleur, absolument. Et puis nous, on s'est un petit peu infiltré là, on s'est posé là comme une façon différente de traiter la douleur. Alors on est un petit peu les seuls sur le congrès. Les premières années, c'était un petit peu déroutant. Et puis aujourd'hui, on est tout à fait bien accueillis et en fait, on a fait tout à fait notre place parce que les soignants et même les médecins qui viennent ici nous disent que de plus en plus, voilà, ils cherchent à utiliser le toucher-massage pour soulager la douleur de leurs patients et que c'est quelque chose qui leur semble vraiment important, pertinent et qui va complètement se développer les années à venir en France. Voilà. Donc on est là pour échanger autour de ce thème, pour se connaître et puis chacun apporte son expérience à l'autre.